The Weather Forecast with Koloka in its multi-purpose banquet hall, Il Palazzo. Good afternoon, good people, and many thanks for joining us on this afternoon edition of the Weather Forecast. It's going to be a rainy day throughout the national territory today, with temperatures exceeding 35 degrees. For instance, we have 31 degrees in the south, 32 in the littoral, 33 in the west, 34 in the northwest, and we have 35 in the east, the north and far north regions of the country. So make sure you take appropriate measures throughout the day. Now let's look at temperatures in greater details. Let's start with the southwest region, where precipitation is announced throughout the region in the afternoon. But in the evening, Manfi will have precipitation at 29 degrees. And then to continue, let's go to another region, this time around the Senta region, where as well precipitation is announced throughout the afternoon, but in the evening, the highest temperature will be witnessed and three at 28 degrees. And then to end, let's go to the Adamawa region, where the sky will be void of clouds throughout the afternoon. Same situation in the evening, with the town of Minganga having the least temperature at 23 degrees. Before we go, I'd like to invite you to go and visit the Ngaoundamba Lake in Ngaoundere, Adamawa region of the country. Thank you very much for watching this edition of the Weather Forecast. Goodbye. Il est 12h à Yaoundé. Bonjour et bon début de semaine à tous. Nous sommes le lundi 2 mars 2020. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV et bienvenue à cette édition bilingue. Quinta, bonjour. Bonjour, Doudou. Vous avez les titres du journal. Measures to minimize the outbreak of the coronavirus in Cameroon have been set up at the Yaoundé Simalène International Airport to track all travelers from affected countries. This follows a press release signed by Public Health Minister Dr. Manaouda Malachi last week. The Saudi Arabian government has saluted the tact with which President Paul Biya is handling the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon, calling him a man of wisdom. And women in Cameroon will this Sunday, May the 8th, celebrate the 35th edition of the International Women's Day. On this premise, our guest on the Midday News is Mrs. Martine Ongola, Inspector number one at the Ministry of Women's Empowerment and the Family, and also member of the organizing committee of the feast. And for our magazine page, we make you leave the cultural event of the West people. It's the Nyang Nyang Festival. It's in the West region of Cameroon. This and more in a moment. Doudou, you have the first part of the news. La semaine de la femme en ouverture de cette édition du journal. Et voici le fil conducteur des festivités de la GIF 2020 Cameroun. Promotion de l'égalité, protection des droits de la femme à l'horizon 2020. Dresser le bilan des actions entreprises et fixer un nouveau cap. Le thème de cette 35e édition fait l'objet de réflexions poussées par les femmes. Des vœux formulés dans ce reportage signé Agnès Solange à Bosolo. Femme, tu peux te montrer un brin capricieuse face aux difficultés qui pourraient paraître insurmontables. Tu restes une grosse adolescente au caractère bien trempé sur qui plusieurs préjugés pèsent encore aujourd'hui. Alors, lève-toi. Qu'est-ce que vous avez fait dans vos activités pour faire bouger les lignes? Les femmes qui ont déjà en haut et les gens de milieu, les gens en bas. Femme rurale, femme au foyer, toi qui subis des contraintes insidieuses alors que tu es dotée de capacités. And some technical issues there. In the meantime, in prelude to the 35th edition of the International Women's Day this Sunday, women of the chief town of Marwa in the far north region have joined their voices to say yes to women's empowerment and gender equality. This was during a sports walk held in Marwa. We have details with Melanie Mbuo Mafisa. The sports walk initiated by the women was an opportunity for them to once more reiterate their stand for gender equality. The women used the walk, which is one of their activities, to mark this year's edition of Women's Day, to also advocate for more actions linked to the empowerment of the woman in the region. It's a great opportunity for us to gather. We come out and make some sports and we say that yes, we are present and we say yes to women's empowerment. And it's also an opportunity to say that the women are not left behind because we came out in solidarity to say that we are one and we are moving towards gender equality and women's empowerment.
The women were accompanied by the number one citizen of the region, Governor Mijiyawa Bakari, who lauded the idea and messages that were being passed across. The only message is to congratulate women who came out massively to this march, and also to encourage those women to go ahead. The women will also be organizing roundtable conferences and debates to better pass across the gender equality and women empowerment message before March 8. Dans la suite du journal, nous restons avec les activités de l'AGIF 2020. Les femmes dans la région de l'extrême nord se positionnent en actrices incontournables de développement. Elles ont manifesté leur engagement au cours d'une marche sportive hier dimanche à travers les artères de la ville de Maroua. Démonstration de force en présence du gouverneur Mijiyawa Bakari. Francine Diaba de CRTV Extrême Nord pour les détails. En tête des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la femme. Dans l'invité est là-bas, les questions sont dans le prompteur. Et c'est à la station Tradex que tout commence. Quelques minutes de mise en forme avant le top départ. De la double voie de Domayo jusqu'au carrefour Djarma pour chuter à l'esplanade des services régionaux. Loin d'être une compétition, mais la résistance, les femmes de toutes les catégories sociales ont fait preuve d'unité et célébré le vivre ensemble. C'est l'occasion pour les femmes de la région de l'extrême nord de sortir et de montrer, de se rassembler, de montrer en fait qu'elles ont leur mot à dire, qu'elles sont présentes et qu'on peut compter aussi sur elles. Nous retrouver parmi d'autres sœurs, ça nous a apporté beaucoup. On espère qu'on aura d'autres occasions comme ça. En dansant comme seules les femmes savent le faire, au rythme de la fanfare de l'Université de Maroua, les Amazones de la CRTV ont apporté une touche particulière. Elles étaient les stars de l'événement. Le numéro 1 de la région et son épouse étaient également aux couleurs de la CRTV. Nous avons vu les femmes sortir massivement. Nous leur demandons tout simplement d'aller de l'avant. La marche sportive était belle. D'autres activités se poursuivent dans la région. La CRTV au cœur de l'AGIF 2020. En posture d'invité du journal, Madame Monsieur Martine Ongola, elle répond en qualité d'inspecteur numéro 1 au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Vous l'aurez compris, c'est dans le cadre de l'AGIF 2020. Martine Ongola, bonjour et bienvenue sur la CRTV. Bonjour Nicole, bonjour Quinta. Alors, vous êtes membre du comité d'organisation de l'AGIF 2020 après le lancement officiel par la ministre, le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, à Kribi, jeudi dernier, la marche sportive des femmes au boulevard du 20 mai. Déjà des promesses de succès de cette édition? Déjà, avec la mobilisation que nous avons eue, je crois que l'image est claire. Il y a eu beaucoup de femmes au boulevard du 20 mai. Et même au niveau de Kribi, les femmes étaient présentes. Elles ont reçu des formations. Elles ont eu de la sensibilisation sur le thème. Parce que vous savez, à Kribi, avec le port autonome, il y a beaucoup de déviances. Donc, la mobilisation promet et nous savons que cette fête sera belle comme les autres. Alors, revenons à présent au thème de cette 35e édition. Nous l'avons dit, le thème, c'est promotion de l'égalité et protection des droits de la femme à l'horizon 2020. Dresser le bilan des actions entreprises et fixer un nouveau cap. Nous sommes déjà à la 35e édition. Il y a eu la déclaration de Bédin. Est-ce qu'il y a de bons points dans la marche pour les droits des femmes au Cameroun? Peut-être qu'il faudrait déjà décomposer le thème plus simplement, c'est-à-dire par promouvoir l'égalité des sexes, qu'est-ce qu'on entend? On entend réduire les fossés entre les hommes et les femmes, permettre aux femmes de pouvoir exercer sans discrimination. C'est-à-dire quand nous avons un homme et une femme, qu'il n'y ait pas de différence, qu'on ne dise pas parce que vous êtes femme, avec vos congés de maternité, on ne peut pas vous recruter. C'est déjà cela l'égalité. Maintenant, la promotion des droits. Il s'agit de faire à ce que les femmes connaissent déjà leurs droits. Et puis, la législation camerounaise n'étant pas discriminatoire, il faudrait qu'on applique la loi camerounaise. Parce que souvent, c'est les pratiques qui amènent à ce que les droits des femmes soient bafoués. Donc maintenant, au niveau de notre Cameroun, le Cameroun a ratifié toutes les conventions internationales qui promeuvent justement les droits de la femme, mais c'est l'application qui est un peu compliquée. Et même déjà pour que les femmes connaissent leurs droits, il faut déjà qu'elles puissent nourrir leur famille. C'est pour ça que de nombreuses actions sont menées pour l'autonomisation de la femme. Donc à ce niveau déjà,
Vous savez, dans notre pays, 91,9% de femmes sont dans le secteur informel. Donc, il faut des actions spécifiques pour permettre à ces femmes de sortir de la pauvreté. C'est pour ça que des formations sont dispensées dans les centres de promotion de la femme et de la famille. Il existe 105 à date dans les différents arrondissements pour que ces femmes soient formées. Et surtout pour que les filles qui n'ont pas été à l'école normale puissent bénéficier de formations spécifiques. Il ne faut pas qu'elles restent à l'écart. Est-ce qu'on peut avoir une idée des secteurs ciblés au niveau du suivi des femmes dans le secteur informel? Au niveau du suivi des femmes, nous travaillons avec les autres ministères. Nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture, parce que 71,8% de ces femmes sont dans le secteur agricole. Le ministère des petites et moyennes entreprises, qui a toute une direction qui est en charge, qui permet pour la sorte de la migration du secteur informel vers le formel. Donc on les organise en association pour développer l'économie sociale. Parce que souvent, seul on ne peut pas, mais ensemble, on peut faire beaucoup. Donc cela est fait vraiment avec tous les niveaux, les ministères qui ont des points focaux genre, pour qu'au niveau des différents programmes qui sont menés, les femmes aient la place qu'il leur faut. Parce que si une femme sans formation, c'est comme si... Elle va se débrouiller, mais elle ne pourra vraiment pas être autonome. Elle va nourrir. Donc, nous voulons partir de la simple autosuffisance pour l'autonomisation effective. Il faut que la femme puisse, en plus de nourrir sa famille, investir, faire d'autres projets. Alors, le MINPROF qui agit à travers les 10 régions du pays. Revenons à présent à l'événement, la célébration de la Journée internationale de la femme cette année au Cameroun. Qu'est-ce qui fera l'innovation de la 35e édition? Vous savez, avec... Tous les ans, on apprend avec le 8 mars, on ne peut pas dire que vraiment on maîtrise. Cette année, nous aurons des carrés spéciaux, comme d'habitude. Et surtout, cette année, comme nous avons pour le problème de pain, il faut déjà qu'on dise aux femmes que celles qui n'ont pas pu avoir le pain du 8 mars peuvent défiler avec un pain de l'édition précédente en bon état. Parce que vous savez, c'est vraiment un problème en ce moment sur le marché, ce problème de pain. Donc, on tient à les rassurer que quel que soit le pain d'édition précédente, elles pourront défiler. Et bon, l'innovation, c'est toujours la sensibilisation intense, c'est-à-dire au niveau des régions, au niveau de... Parce que c'est la cible qui nous intéresse, il faut qu'ils comprennent. Qu'on comprenne qu'au-delà de la fête, il faut même comprendre pourquoi cette promotion des droits, pourquoi cette promotion de l'égalité des sexes. Modalité pratique pour le jour de la marche, nous sortons par là. Voilà, pour le jour du défilé, déjà, le nombre minimum est de 44 personnes, une seule banderole par groupe. Il faudrait aussi que les femmes s'habillent décemment. Donc, pas de tenue indécente, des chaussures basses, pas de sac, pas de téléphone. Seuls les messages validés au niveau du ministère pourront figurer au niveau du défilé. Ponctualité, discipline, courtoisie, parce que souvent, vous savez, les encadreurs rencontrent, c'est-à-dire qu'au moins respecter ce que les encadreurs vous disent pour que tout le défilé se passe bien. Voilà, Martine Ongola, merci d'être passée sur ce plateau du 12h sur la CRTV. Je précise que vous êtes inspecteur numéro 1 au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et vous êtes membre du comité d'organisation de l'AGIF 2020. Merci d'être passée sur ce plateau et restez avec nous. Le 12h se poursuit, madame, monsieur. Autre chose, la situation politique dans le nord-ouest et le sud-ouest est une question interne au Cameroun. La nation peut compter sur la sagesse du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour une sortie définitive de crise. Déclaration de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Cameroun, son Excellence Abdelallah Mohamed, s'est confié à notre reporter Charles Ebounet. Voici un extrait dans le 12h. De l'Arabie saoudite que nous allons suivre dans le 12h. Concernant donc la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, je vous dis d'emblée que c'est une situation interne au Cameroun, c'est une affaire intérieure du Cameroun. L'Arabie saoudite est tout à fait disposée à apporter son aide si celle-ci lui est demandée. Nous avons une très grande confiance dans la sagesse du chef de l'État, le président de la République, et dans la sagesse des membres de son gouvernement, et nous savons qu'ils ont une très grande expérience dans le règlement des difficultés et des problèmes. And as you just heard, the
Saudi government says the situation in the northwest and southwest regions is an internal issue. The country's ambassador to Cameroon has been talking to the CRTV. Ambassador Abdelallah Mohamed also says Cameroon can count on President Paul Biya's wisdom to come out from the crisis. Charles Ebune has more in this report. A country with the most profitable company in the world, with nearly 4,000 kilometers distance from Cameroon, here comes the Saudi position of the troubles in the northwest and southwest. Concerning the northwest and the southwest, it is an internal issue. To end the almost 4-year financially and politically, plus humanitarian expensive deadlock, the Saudi government believes the solution is internal. We have great confidence with the wisdom of the President of the Republic and the government, and we know they have huge experience in handling this issue. A request from Cameroon to the Saudi government will be enough to root out acts of terrorism in the country. For years, Saudi Arabia assisted countries around the world on so many issues, social and humanitarian help. And while that is on course, the country is embarked on its own development program too. Cameroon needs to define her priorities. Saudi Arabia pays particular attention to Cameroon in the areas of humanitarian assistance, malarial, infrastructural construction and development, intelligence exchange to combat terrorism. One of the key Saudi projects in Cameroon today is the Jos Technical High School in Douala, where they have injected some 14 billion CFA francs for its construction. And if you're just joining us, you're watching the Midday News on the CRTV. The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobi, has paid a working visit to the irrigated rice production unit in Avangan and a cocoa plant nursery, cocoa treatment center and palm plantation in Chui. The aim of Minister Mbairobi's visit there recently was to take stock of problems faced by producers so as to see how to help build their production capacities. Cynthia Etim was there and now reports. The irrigated rice production unit of Avangang in the Upper Sanaga Division is famous for its mechanized agricultural techniques, experts say. From the cultivation of rice seeds, planting, harvesting, thrashing and processing, it is a complete value chain production. However, rendons-nous à présent dans la région du Sud pour la suite du 12 heures. Des lauréats de la cuvée 2019-2020 du brevet de spécialité numéro 2 des sapeurs-pompiers sur le terrain, contingent qui a passé 5 mois au Centre national d'instruction des sapeurs-pompiers à Kribi. Dieudonné Noah pour le film de la cérémonie de sortie. Mettront que leur statut. Eux, ce sont les lauréats de la cuvée 2019-2020 du brevet des spécialités numéro 2 des sapeurs-pompiers. Ce contingent, constitué de 43 sous-officiers au départ, avec un seul récalé à l'arrivée, a passé 5 mois de formation intense au Centre national d'instruction des sapeurs-pompiers basé à Kribi, où les lauréats ont acquis des connaissances et aptitudes qui les classent désormais au rang de futurs chefs de centre de secours, la plus petite unité au opérationnel où l'on stocke la logistique destinée aux interventions. Un remerciement au commandement qui déjà nous a permis de faire ce stage qui sera bénéfique pour nous et pour nos carrières dans l'armée. La cérémonie solennelle de proclamation des résultats et de remise des parchemins à la quarantaine de lauréats était présidée à Kribi par le général de division Philippe Mpaï, commandant les écoles et centres d'instruction interarmées, et pour le lieutenant-colonel Jules Garka-Garka, commandant le Centre national d'instruction des sapeurs-pompiers. Cette formation ouvre plusieurs portes aux bénéficiaires. C'est des gens qui ont reçu un enseignement opérationnel complet pour pouvoir être les premiers chefs d'une grosse opération. C'est aussi le stage qui leur ouvre les portes
pour certains pour être des officiers. Une nouvelle cuvée des lauréats du brevet de spécialité numéro 2 des sapeurs-pompiers pour plus d'efficacité encore lors des différentes interventions, incendie, secourisme, assistance. The Foretia Foundation in Yaoundé has held a seminar on how to obtain financing in the establishment of a company by young entrepreneurs. The regional forum, attended by owners of enterprises, economists and uprising entrepreneurs, was equally a medium through which the participants were motivated to be job creators. Joyce Tata with the details. Raising awareness on the importance of creating partnerships with government bodies, banks and microfinance institutions for easy access to financing was the main drive of the workshop organized by the Foretia Foundation. You can raise money by getting in touch with your family members, friends who can help you, those who trust you, and you have a start. And that start now can put you somewhere where an institution knows that you have been doing something, you have the credibility, and you've started something. Now they can give you money to finish what you've started. The regional forum, which brought together policymakers, representatives of ministries, entrepreneurs and business councils, created room for discussion on how the spirit of entrepreneurship can be promoted through governmental policies. I've learned a lot about entrepreneurship. And mostly talk about communication. Know how to boss up your business. You need to communicate with others. You need to interact. Know how to come up with the finances too as well. Because most of us, we cannot depend on the government for jobs. We cannot depend on other organizations for jobs. But we need to be bold enough to create our own jobs and then employ other people. And with training like this, we'll do that more better. Entrepreneurs present equally had the opportunity at the workshop to present their challenges while seeking for a way out of this situation. And some 300 internally displaced families in the Mbangurain and Jimom subdivisions of the Nun Division have been offered gifts. The gesture was that of the Cameroon Red Cross and distributed during separate ceremonies in the localities. Details with Ngu Henry. The Nun Division harbors most of the internally displaced persons from the northwest and the southwest regions. The distribution exercise took place in the localities of Mabu, Jimum, and Bangurin. A total of 300 families benefited from the largesse of the Cameroon Red Cross, 83 in Mabu, 67 in Jimum, and 150 in Bangurin. They have been offered toilet trees, treated mosquito bed nets, mats, and containers. According to the officials of the Cameroon Red Cross, the gesture was to put smiles on the faces of the displaced persons. The aim of the visit is to train volunteers on wash, distribution, and the hygiene of women. In order to put this in practice, the Cameroon Red Cross did a distribution. Those who were given this gift or the kit are vulnerable persons from the northwest and southwest region, especially women. The beneficiaries have expressed profound gratitude to the Red Cross. I'm very, very happy for what Cameroon Red Cross has done for us, because we're not waiting for what they were to give. Inside what they've given to us, we have gallons of water, we have mosquito nets, we have toiletry. That is what we have inside for the package we have received. The exercise will continue to the other localities in the region. Members of the Young African Aviation Professional Association, dubbed YAPA, have drilled students of the Saint-Jérôme Catholic University on the need for women to get more involved in the aviation profession in order to contribute in the development of West Africa. This was during a workshop that took place on the university premises this Saturday. Details with Pamela Kwatika. Empowering the African woman in the aviation domain is one of the major objectives of the organization, Young African Aviation Professional Association, YAPA. It is for this reason that the association, alongside its partners, have met with students of the St. Jerome Catholic University in Douala
to sensitize them to be more involved in the aviation sector. This forum is to promote women and girls to get more engaged in the sustainable development of aviation and tourism in the sub-region. Partners of the association say they have come to enable Cameroonians, especially young girls, to see the richness in the African aviation industry. We want to encourage Africans and African girls specifically for the event we're having now. And we also wanted to tell them about the Ethiopian Aviation Academy, where they can get a lot of opportunity for their growth in the aviation industry. Students of the Catholic University attest to the fact that the workshop has enlightened them as regards the aviation industry as a whole. Today I was able to learn about the aviation industry. I don't necessarily need to be specialized in any formal education, but with the willpower to do something in the aviation, I can go to their school and be able to be part of the industry. The workshop comes at a time when Cameroonian women are bracing up to commemorate the International Women's Day. Hence, a call for women to take interest in Africa's sustainable development through aviation. 12h passées de 24 minutes à Yaoundé. Madame, monsieur, vous suivez le 12h. Un peu de divertissement dans cette édition. Son rythme et couleur du festival Nyan Nyan dans la page magazine du journal ce lundi. La fête culturelle du peuple Bafoussam est une occasion de célébration des us et coutumes de ce groupement. Polly Wafo raconte. La culture fait la particularité des peuples. Les Foussam, aujourd'hui plus connus sous la dénomination Bafoussam, se reconnaissent et s'identifient par le Nyan Nyan. L'édition 2020-2021, baptisée Festival Nyan Nyan 2021, se veut exceptionnelle, ce d'autant plus qu'elle se déroule de novembre 2020 à février 2021. Pour le chef Bafoussam, Sa Majesté Ndita Ngompépélé, son peuple et lui doivent tout mettre en œuvre pour vanter les us et coutumes qui traduisent au quotidien les valeurs et principes que charrie le noble Foussep. La 457e édition qui va débuter d'ici le 8 novembre et s'achèverait le 21 février 2021. La grande innovation, déjà, vous le savez, ça tombe avec l'édition de la CAN 2021. Donc nous pensons que cela serait une très belle occasion pour le peuple Bafoussam de montrer aux yeux de tout le public qui viendront de l'Afrique, du monde entier, de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique, découvrir les cultures. Ce serait une belle occasion de montrer la vitrine de la culture Foussam. C'est la raison pour laquelle, à cette occasion consacrée à la présentation des vœux à celui choisi par la divinité pour présider aux destinées du groupement Bafoussam, un accent particulier a été mis sur les préparatifs du Nyan Nyan 2021, moment capital d'initiation des jeunes aux rites ancestraux qui leur confère le statut de fils Bafoussam à part entière. En page des sports, nous parlons des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Déjà 5 qualifiés pour le Cameroun, Wilfried Sehi en boxe et Sarah Nana au tennis de table. Les deux athlètes ont obtenu leur ticket ce week-end en faisant ainsi augmenter le nombre de participants de la team Cameroun. Le pont avec Évariste et Yenga. C'est provisoire. Jusqu'ici, seulement 5 athlètes camerounais participeront aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Il y en a 3 boxeurs. Wilfried Sehi, médaillé de bronze à la première épreuve de qualification refermée à Dakar hier samedi. Le porte-étendard de la team Cameroun 2016 a imité Albert Ayissimenge, des 69 kg, médaillé d'or de la même compétition, mais qualifié après sa victoire en demi-finale. C'est à la même étape des demi-finales que Maxime Yen Nyong Djenyo, de plus de 91 kg, a arraché son ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Il a, en marge, décroché une médaille d'or à Dakar, au Sénégal, mercredi dernier. D'autres pugilistes devront encore boxer pour se qualifier. Sarah Anfou Nana l'est déjà. Elle va représenter le tennis de table à Tokyo. La pongiste s'est classée deuxième au terme du tournoi de Rades en Tunisie, derrière la Nigériane Oshonaike Funke. Sarah a intégré la team Cameroun vendredi dernier. Lui, il a été le plus rapide
le premier Camerounais qualifié. Emmanuel Essemé a obtenu son ticket au mois d'août 2019 lorsqu'il a fait tomber le record du 200 mètres messieurs au stade Omnisport de Yaoundé. Record désormais fixé à 20 secondes 30. D'autres athlètes ont déjà un pied à Tokyo. C'est le cas de Vanessa Mbala à Tangana et Hélène Weze d'Ombeu. La sélection nationale féminine de football est aussi à 180 minutes de Tokyo 2020. Still in sports, this time in the Elite One Championship, Giants Coton Sport of Garoua have moved back to the top of the Elite One table. They edged Dragon 1-0 on Sunday to put an end to 8 games without a win. Daniel Ekonde has more on those matches. Their quest to play next season's CAF Champions League may be a doubt, but it's a landmark win for Coton Sport. Substitute Maru Shuaibu's break-loose effort ended Coton's winless run in the first phase of the Elite One. He had come in just after winger Thomas Etabawak and Dauda Camilo kept Dragon's defense busy with a series of onslaughts. The 1-0 win means Coton are now moving up to second position, an encouraging start for new manager Sulemanu Abubakar. In the second game, Bambutus failed to deliver the end product despite the return of their star players from the Intermediate Lions team. High pressing the Mangwa boys displayed, yet they didn't click in front of goal. A late first half strike by Irish Pangelobe, saved by Tone keeper, then followed by scoring chances from midfielder Mark Ojong and winger Hansim Bapemula, were all they got in their attacking formation. Tone came really close in the 90 minutes through attacker Frank Steve Belobo, whose floating effort dribbled away from goal. The draw is Bambutu's fifth game without a win, while it is Tone's first after 6 defeats. Merci de votre très aimable attention, madame, monsieur. C'était le 12h sur la CRTV. Merci d'avoir suivi. Pinta, excellente journée. Excellente journée, Doulou. À demain. À demain.